pero no lo sé. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour, bon après-midi. Merci de vous connecter à cette séance d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé au sujet de la pandémie de COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette séance, comme toutes les semaines, durera environ une heure. Rappelez-vous que vous pouvez nous envoyer vos questions à travers le bouton Q&A. Nous avons déjà reçu vos questions par le courriel et n'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous parlera de la pandémie et de la vaccination en Amérique et également vous parlera des liens nécessaires entre la santé humaine, la santé animale et de l'environnement pour éviter de futures crises. Avec le docteur Etienne, nous aurons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS et le docteur Sylvain Aldighieri, directeur des incidents pour l'OPS. J'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour ses remarques initiales. Docteur Etienne. Bonjour et merci Sébastien. Laissez-moi d'abord vous remercier toutes et tous qui nous avez rejoints pour cette conférence de presse. Ce dernier mois, nous avons vu une chute des infections par la COVID-19 dans notre région, même si le nombre de cas reste quand même élevé. Cette dernière semaine, près de 1 200 000 cas de COVID-19 et 24 000 décès liés à cette COVID-19 ont été signalés dans les Amériques. En Amérique du Nord, même si le nombre de cas baisse aux États-Unis et au Canada, le Mexique signale un sursaut de nouvelles infections. Mais les données nationales ne nous racontent pas toute l'histoire de cette pandémie. Si nous approfondissons, nous notons que les tendances locales sont toujours préoccupantes. De nombreuses provinces du sud-ouest du Canada connaissent des taux d'hospitalisation et d'occupation des lits d'urgence très élevés depuis le début de la pandémie. En l'état de l'Alaska, qui connaît une flambée du COVID qui est la pire aux États-Unis, les lits des services d'urgence sont submergés de patients COVID et les docteurs doivent faire des choix difficiles pour l'allocation des lits d'hôpital. Dans les Caraïbes, les infections baissent un peu partout, même si Cuba et les Bermudes signalent toujours des taux élevés de nouvelles infections, tandis que les cas à Barbados ont augmenté de près de 75% cette dernière semaine. En Amérique centrale, alors que les cas baissent dans toute la sous-région, le Costa Rica continue à noter de forts taux d'hospitalisation et d'utilisation des secteurs de réanimation. Les hospitalisations ont également augmenté des deux tiers au Belize.
en Amérique du Sud, alors que des pays continuent à observer une chute des infections, le Chili a noté une augmentation des nouveaux cas, surtout provoquée par des flambées dans les centres urbains comme la région métropolitaine de Santiago et les cités portuaires de Coquimbo et Antofagasta. Si l'on considère toute la région, il ne faut nous rappeler que les gouvernements doivent suivre de près ces tendances locales parce que la dynamique de l'infection peut varier d'un pays à l'autre et dans un même pays, partiellement à cause de différences dans la disponibilité des vaccins et du rythme de la vaccination. Cette approche plus locale doit être fondamentale pour maintenir ces flambées sous contrôle. Aujourd'hui, il n'y a que 37% des populations en Amérique latine et caraïbe qui ont suivi tout un schéma vaccinal contre la COVID-19. Alors que 7 pays territoires des Amériques ont vacciné plus de 70% de leur population, autant de pays et de territoires n'ont vacciné encore que 20% de leur population. La Jamaïque, le Nicaragua et Haïti n'ont même pas encore atteint 10% de leur population en couverture vaccinale. Il nous faut centrer notre attention pour réduire ces failles et ces différences le plus vite possible. Cette dernière semaine, 875 000 doses de vaccins sont arrivées dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous savons que ce n'est pas suffisant pour protéger tout le monde. Nous continuons donc à exhorter les pays à partager leurs excédents de doses avec les pays de notre région, parce que cela a un impact qui permet de sauver des vies. Je vous garantis que l'OPS fait tout ce qu'elle peut pour accélérer les vaccinations dans les Amériques, en recourant à la fourniture de doses à travers le mécanisme COVAX, en soutenant les dons, en achetant des vaccins au nom de notre région et en établissant une plateforme pour augmenter la fabrication des vaccins au niveau industriel dans notre région. Et je suis content de vous annoncer que l'OPS a déjà réussi à obtenir des autorisations d'utilisation de l'agence Sinovac. Sinopharm et AstraZeneca ont obtenu cette autorisation d'utilisation d'urgence. Nous sommes en conversation avec nos États membres qui veulent utiliser cette alternative pour un achat direct à travers de nos fonds rotatifs. Nous avons maintenant des vaccins de Sinovac et AstraZeneca qui seront disponibles cette année et de la part des 3 fabricants à partir de 2022. Qu'il s'agisse d'obtenir des vaccins pour notre région ou de suivre la dissémination des variants, le contrôle de cette pandémie continue à dépendre du travail et du soutien des partenaires dans toute notre région et dans le reste du monde. Et de la même manière à ce que nous collaborons pour contrôler cette pandémie, il nous faut examiner des manières de collaborer pour éviter de futures pandémies. COVID-19 est unique dans son échelle et dans son impact, mais ce n'est pas la première maladie émergente qui a des effets ricochets dans le reste du monde. Qu'il s'agisse de la COVID-19, d'Ebola, de chikungunya, de la fièvre jaune, de la grippe aviaire ou de Zika, nous avons bien remarqué qu'il y a des maladies qui peuvent passer de l'espèce animale à l'espèce humaine et avoir des effets très sévères. Il existe une liste de pathogènes émergents qui ont le potentiel de représenter un risque pour la santé publique et pratiquement tous ces pathogènes sont soit zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de l'animal à l'homme, ou communs autant à l'espèce humaine qu'aux espèces animales. Avec les impacts sur les écosystèmes des changements climatiques, et alors que les gens sont en contact de plus en plus étroit avec les animaux à cause de l'urbanisation, du déboisement, le potentiel de ce transfert, du passage d'une espèce à l'autre est en augmentation. Le secteur de la santé publique joue un rôle critique pour gérer ce risque, mais il ne peut pas travailler tout seul. C'est la raison pour laquelle il est crucial que les plans contre la pandémie et les politiques reflètent les recommandations du secteur public et l'expertise du personnel de la vétérinaire et des secteurs environnementaux. C'est tout à fait critique dans une région comme la nôtre qui possède des zones tropicales, qui possède un potentiel élevé pour
héberger de nouvelles maladies, comme le bassin amazonien, la région Grand Chaco en Amérique du Sud, la jungle Lacandone, l'isthme de Panama et la mosquitia au nord-est du Honduras. Les économies de nombreux pays aux Amériques dépendent également très fortement de la production et de l'exportation agricole. Donc, la maladie animale aura un effet à long terme néfaste et le potentiel d'atteindre toutes les industries entières et le développement national. C'est pourquoi l'approche One Health, une seule santé, a depuis longtemps été une priorité pour l'EPS. Depuis 70 ans, l'EPS organise un programme de santé publique vétérinaire qui travaille autant avec la santé publique que les secteurs vétérinaires sur des maladies zoonotiques et sur la sécurité alimentaire. À la fin des années 1990, l'EPS a développé une stratégie pour renforcer la surveillance des maladies infectieuses émergentes qui inclut l'interface animal-humain. Et c'est une caractéristique importante de One Health. Notre surveillance intégrée, notre veille intégrée, s'appuie sur des instituts vétérinaires pour surveiller les maladies animales et humaines, réaliser des évaluations conjointes de risques et organise des ateliers et des sessions de formation sur des sujets comme la fièvre jaune. Récemment, les ministres de la Santé de notre conseil de direction ont approuvé la politique One Health qui détaille un plan pour que les pays se rassemblent leurs experts et leurs responsables de plusieurs secteurs pour répondre à ces défis qui incluent les maladies zoonotiques, la sécurité alimentaire et la résistance antimicrobienne et les changements climatiques. Nous avons besoin de pays qui garantissent que les partenaires vétérinaires dans le système vétérinaire agricole et environnemental puissent se réunir pour construire un système de suivi plus efficace pour détecter les risques de façon plus rapide et déterminer des priorités d'investissement dans les recherches et développement contre les pathogènes à haut risque. Parce que le coût de la prévention d'une pandémie est bien moindre que celui de répondre à une pandémie qui aurait déjà surgi. La COVID-19 toute seule a causé des pertes de 4 000 milliards de dollars dans le PIB mondial. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, dans les mois qui viennent, alors que les pays vont déterminer leur budget pour la santé, il faudrait repenser comment les soins médicaux sont dispensés et réaliser des efforts mondiaux pour prévenir la prochaine pandémie. Et il faut construire cette approche One Health qui est la meilleure moyenne de nous protéger de la prochaine crise. Je vous remercie beaucoup et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant à répondre à vos questions que nous avons reçues par courrier électronique et que vous nous envoyez à travers le chat et le bouton Q et A. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et les médias. Tout d'abord, la première question qui au sujet de la vaccination des enfants. Adriana Aguirre demande quelles sont les recommandations pour vacciner les enfants contre le COVID-19 et dit qu'au Mexique, seuls les enfants plus âgés seront vaccinés. Il demande s'il faut vacciner. Et Irene Hartmann de Clarín en Argentine dit que l'Argentine a approuvé l'utilisation du vaccin Sinopharm pour les enfants à partir de 3 ans. Même si les données préliminaires de phase 3 dans le segment des moins de 17 ans ne sont pas disponibles. Que pensez-vous des États membres qui parient sur ce type de stratégie d'immunisation? Revoyez-vous l'utilisation pédiatrique des vaccins tels que Sinopharm? Merci, beaucoup de questions. Je vais les répondre une par une. Tout d'abord, les vaccins pour les enfants et les adolescents doivent avoir l'autorisation des autorités de réglementation
du pays en Argentine, au Mexique et dans les autres pays, l'autorité de régulation doit voir la documentation que le producteur fournit et se basant sur cette révision, il autorisera l'utilisation ou pas de chaque vaccin chez des enfants et des adolescents. De la part de l'OMS, nous avons le vaccin de Pfizer qui est déjà eu et qui est autorisé à être utilisé pour les enfants et les adolescents. Moderna et d'autres sont en train d'être revus et rapidement, nous aurons l'analyse déjà faite. Ceci en ce qui concerne l'autorisation, en ce qui concerne l'utilisation, les stratégies pour les vaccins doivent avoir des objectifs très clairs. Par conséquent, pour le COVID-19, le premier objectif du vaccin a été de sauver des vies. Et comme les personnes âgées courent plus le risque de développer des formes sévères de la maladie, la recommandation de l'OPS a été de vacciner d'abord les personnes âgées pour les protéger, puis le personnel soignant pour que les services continuent à fonctionner. Après, on peut élargir la vaccination à tous les groupes d'adultes. Pour les adolescents et les enfants, ce n'était pas un groupe prioritaire au début parce que la plupart des cas graves se concentraient sur les adultes et les personnes âgées. Chaque pays a déjà une couverture vaccinale qui est différente. Donc, par conséquent, un pays qui a déjà vacciné toute sa population adulte et qui a des vaccins disponibles et autorisés pour les adolescents doivent commencer la vaccination des adolescents en commençant par les adolescents qui présentent des comorbidités, puisque là se trouvent les groupes à plus grand risque. Il s'agit d'une recommandation générale que nous avons, que tous les pays doivent avoir des étapes de vaccination pour ne pas commencer à vacciner des groupes à moindre risque avant de compléter la vaccination sur des groupes de plus grand risque. Par conséquent, chaque pays doit le faire en fonction de la disponibilité des vaccins qu'il a. Chaque pays adapte la stratégie que mieux s'adapte à sa réalité. Et après avoir complété toute la vaccination chez les adultes, le prochain groupe sera le groupe d'adolescents avec les vaccins qui sont autorisés pour être appliqués sur ce groupe. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Daniel Colin de TN23 au Guatemala. Il nous dit que le Guatemala a commencé à montrer une baisse de la positivité. Quelles actions doivent être prises et maintenues pour éviter une éventuelle quatrième vague, sachant que les fêtes de fin d'année s'approchent? Docteur Ugarte. Merci Sébastien, merci Daniel de cette question. Ceci s'applique à plusieurs pays de notre région. Effectivement, ces dernières deux semaines, l'on a pu observer une baisse des numéros de cas confirmés et de la positivité au Guatemala. Mais ce comportement change et cela dépend des pays. Ce genre d'évolution de la pandémie s'est déjà présenté au Guatemala et dans d'autres pays, ce qui a mené au relâchement des mesures des gestes barrières et a augmenté la positivité. Donc, nous avons vu également à ce moment-là une augmentation de décès, une hausse de décès, et ainsi, il est nécessaire que la surveillance active continue et le suivi de la capacité des services de santé à tous les niveaux, en particulier à un niveau local, parce que c'est là où les mesures opportunes et les plus adéquates peuvent être prises pour réduire la transmission. Et ceci, tandis que la vaccination augmente. Au Guatemala, les alertes en vigueur, les feux des sémaphores sont la
meilleure référence pour la population. Il est important à tous les niveaux du système de santé, en particulier le niveau national, puisse évaluer la disponibilité des tests, des intrants et des médicaments et quelle est la capacité de réponse à un niveau hospitalier. Parce que nous avons vu une élévation des cas qui se présentent dans des endroits spécifiques, à différents endroits et à différents moments. Et ceci demande une réponse très rapide face à ces poussées pour pouvoir les contrôler à temps et garantir une préparation adéquate. Pour ceci sera d'autant plus important lors des fêtes de fin d'année qui s'approchent parce qu'il y aura une augmentation concernant le mouvement des personnes, le déplacement et également le déplacement de la maladie. Si nous avons appris quelque chose, c'est que si nous mettons en place les mesures de santé publique qui sont simples à appliquer, qui sont connues, porter un masque à chaque fois qu'il est impossible de conserver la distanciation physique et s'il est possible de conserver et de maintenir la distanciation physique, se protéger, laver les mains, éviter les agglomérations. Ceci a démontré que c'est efficace contre tous les variants, étant dit que la population a une couverture adéquate grâce à la vaccination, il s'agit toujours de la meilleure option que la population a pour pouvoir réduire et contrôler le COVID, la transmission de COVID-19. Les questions suivantes de Rayston Jones de Eyewitness News en anglais. Question de Rayston Jones des Bahamas. Est-ce qu'il y a des échantillons des Bahamas qui sont revenus avec des résultats positifs montrant la présence du variant Delta plus ou Gamma? La deuxième question, les Bahamas continuent à connaître un taux de positivité élevé, entre 19 et 26% quotidiennement, et il y a 30% de la population qui a complété le schéma vaccinal. En partant de la recommandation de l'OMS de 5% pour cet indicateur, quelle est la suggestion pour ce pays? Merci pour cette question des Bahamas. Pour commencer, c'est très important de clarifier quelque chose. Pour ce qui est du variant Delta+, cette dénomination n'existe pas. C'était un nom qui a été repris par certains médias pour se référer à un variant Delta, qui est un variant préoccupant avec des mutations complémentaires. Mais elles sont toutes classées seulement comme sous le variant Delta. C'est important de le dire que vu ces changements additionnels, ça peut aider les chercheurs à d'affiner leur recherche sur le virus, mais cela n'implique pas des variations fonctionnelles ou biologiques. Pour ce qui est de la circulation du variant aux Bahamas, les échantillons les plus récents qui ont été séquencés par l'Institut du Panama et à la Fondation Fiocruz à Rio, au Brésil, pour le système de surveillance, réseau de surveillance de l'OPS, a montré 50% du variant Delta, 45% du variant Alpha et seulement 1,3% du variant Gamma, bien que le variant Delta est en train de devenir prédominant dans la plupart des pays des Caraïbes. Et vu ce contexte, c'est important de rappeler que ce processus de déplacement et de remplacement de souches et de variants est un phénomène qui était tout à fait attendu, qui a lieu depuis le début de la pandémie et c'était une circulation de virus comme le variant Delta sont mieux adaptés à l'hôte humain dans le processus d'évolution de ce virus. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question et de la situation aux Bahamas, il se peut que moins de gens se présentent pour faire le test. Comme la vaccination augmente, les gens se relâchent et sont moins susceptibles de se présenter pour un test quand ils ont été exposés au virus. Même si la campagne de vaccination se passe bien, les gens devraient continuer à utiliser les mesures barrières
et dont nous savons qu'elles sont utiles pour éviter la dissémination de la COVID-19, y compris tous ces variants. Par exemple, la distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène. J'espère avoir répondu aux préoccupations des journalistes des Bahamas. Merci. Merci, docteur. La question suivante est liée aux Bahamas sur le QEA et de Tania de Kivion en anglais. Question en anglais, Tania demande, les Bahamas ont peu de vaccins. Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que l'OPS pourrait faire plus, docteur Barbosa? Merci pour cette question. Comme la directrice l'a mentionné, l'OPS fait tout ce qu'elle peut pour augmenter l'accès aux États membres, à ces États membres, l'accès aux vaccins. Nous travaillons pour le mécanisme COVAX, donc les Bahamas vont recevoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de vaccins. Nous travaillons également avec le gouvernement nord-américain pour expédier des données sur 100 millions de doses que les États-Unis vont donner aux Caraïbes, et les Bahamas vont recevoir une partie et vont recevoir des vaccins grâce à cette initiative. Et nous proposons également à tous les pays de la région un complément, le vaccin, à travers un achat direct en utilisant le fonds rotatif de l'OPS. Comme la directrice l'a mentionné, nous avons maintenant 3 accords qui ont été signés avec 3 producteurs qui ont obtenu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS, qui permet que les vaccins soient livrés encore en 2021, au quatrième trimestre. Donc, il y a toutes ces possibilités et nous travaillons déjà avec le gouvernement des Bahamas pour les soutenir et faire en sorte qu'ils aient un accès. Donc, tous les pays de notre région ont besoin d'un accès amélioré aux vaccins parce que c'est la meilleure manière, bien sûr, avec les mesures de santé, les mesures barrières, d'améliorer la situation sanitaire et indirectement d'améliorer la situation de l'économie pour revenir à une normalité. Merci. Merci, docteur. La question suivante de Blanca Balades du Mexique, de Milenio. Elle nous dit que l'objectif du gouvernement mexicain est de faire en sorte que d'ici le 31 octobre, tous les Mexicains âgés de 18 ans et plus reçoivent une dose du vaccin. Dans ces conditions, peut-on dire que le Mexique a maîtrisé ou maîtrisera la pandémie? Elle dit également que la saison de la grippe arrive, de l'influenza, et elle demande quel comportement voyez-vous dans son interaction avec COVID-19 et le variant Delta. Docteur Aldiguerri, merci de cette question qui nous vient du Mexique. D'aucune manière, la pandémie sera maîtrisée à un niveau local, tandis que le SARS-CoV-2 et ses variants de préoccupation circulera dans le pays, dans la région, à un niveau mondial. Presque tous les pays de la région, y compris le Mexique, sont en train de rapporter une transmission communautaire et une élévation de la transmission jusqu'au début 2022 ou après. Bien que les couvertures vaccinales sauvent des vies, nous ne pouvons pas construire des politiques de santé publique avec des présupposés ou des suppositions pour obtenir un effet de troupeau. Dans ce contexte, l'OPS recommande d'améliorer et de continuer les mesures de prévention, et il faut absolument que la population qui ne s'est pas fait vacciner aille rapidement se faire vacciner. Concernant les questions de la grippe, il n'y a pas jusqu'à présent une augmentation de l'influenza au Mexique. Le système de surveillance est activé et ainsi, dans ces rapports, tout est partagé. Toutes les informations sont partagées. Ainsi, l'on recommande aux personnes qui à risque d'apport ce qui a été établi,
qu'ils se vaccinent contre la grippe lorsque le vaccin sera disponible. J'espère avoir répondu à la question que Blanca Valadez m'a posée. La question suivante de Kevin Feldman de The Guardian à Trinidad et Tobago en anglais. À Trinidad et Tobago, 4,5% des patients de la COVID-19 ont été vaccinés. Un des anti-vaccins de ceux qui hésitent à se faire vacciner, c'est qu'on peut quand même encore attraper la COVID-19 et la disséminer. Vu ce contexte, est-ce que l'OPS a identifié une cause qui expliquerait pourquoi des gens vaccinés sont hospitalisés et ont attrapé la COVID-19? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes médicaux préexistants peut-être, ou est-ce que le vaccin est moins efficace chez des gens qui ont des problèmes médicaux préexistants? Merci pour cette question. Vous savez que chaque vaccin possède une efficacité, un taux d'efficacité différent. Chaque vaccin fonctionne différemment pour produire l'immunisation dans le corps des gens. Mais d'une manière générale, nous savons qu'aucun vaccin, mais vraiment aucun vaccin, c'est pas seulement les vaccins contre la COVID-19, ne détient 100% d'efficacité. Donc, il arrive donc que certaines personnes vont vacciner, ne seront pas protégées contre la maladie. Ça peut être pour des raisons, des caractéristiques du système immunitaire. Nous savons que les personnes les plus âgées, par exemple, possède un système immunitaire plus faible, donc le taux d'efficacité chez eux peut être plus faible que dans le reste de la population. Donc, il y a des raisons très différentes qui expliquent pourquoi une personne vaccinée qui a été vaccinée ne va pas être protégée contre le vaccin. Mais observons les chiffres que vous mentionnez. S'il y a 85% de personnes hospitalisées qui ont été vaccinées, on parle de 95,5% des gens hospitalisés qui sont vaccinés. Donc, ça veut dire que le vaccin est très efficace pour réduire les cas sévères des hospitalisations. Et ce n'est pas seulement en Amérique latine ou dans les Caraïbes, mais dans tous les pays du monde. Les données dont nous disposons aujourd'hui montrent très clairement que les pays qui connaissent encore une transmission très importante de la COVID-19, sont des pays où la pandémie est encore très importante chez les personnes non vaccinées. Donc, les personnes anti-vaccins ne font que reprendre une information partielle, puisqu'on considère toutes les informations. Il est très clair que plus de 90%, et dans ce cas-là, 95%, 15,5% des gens hospitalisés sont des gens qui ont reçu le vaccin. C'est la même chose pour le mécanisme COVAX. Donc, la meilleure manière de se protéger est de se faire vacciner. Mais il faut quand même encore souligner que les vaccins ont un effet double. Les vaccins permettent une protection individuelle. Donc, si vous vous faites vacciner, vous serez probablement protégé contre la maladie. Mais les vaccins ont également un effet collectif. Les gens qui sont vaccinés transmettent beaucoup moins la maladie, le virus, dans ce cas. Donc, si vous avez une couverture vaccinale très importante dans votre pays, dans votre district, dans votre région, la transmission de la virus va baisser, ça c'est sûr. Et vous serez personnellement protégé. Mais grâce au fait que d'autres gens se sont fait vacciner, vous allez profiter, cela va profiter à tout le monde, votre famille, votre communauté, votre pays. Donc, les anti-vaccins ne reprennent qu'une partie de l'information disponible, puisque les informations complètes vont totalement dans le sens contraire de la désinformation qu'ils propagent. Merci, Dr. Barbosa. La question suivante vient de Tony Rios, le journal du Guatemala et du Media Aussie Institute. La question est: quelle est la stratégie pour contrer
la résistance au vaccin pour des raisons politiques, religieuses et autres. Et si vous avez une estimation de la population américaine de la région qui résiste à l'immunisation. Docteur Étienne. Laissez-moi vous remercier pour cette question. Vous savez, il n'y a aucun doute que nous avons besoin d'augmenter le niveau de l'acceptation du vaccin en Amérique latine et aux Caraïbes. Il faut nous centrer sur... Il faut essayer de faire en sorte que les gens écoutent les sources d'informations fondées sur la science et sur les preuves scientifiques. Et ce n'est pas... malheureusement, ce n'est pas présent dans l'université des réseaux sociaux. Alors que nous devons affronter un manque de vaccins dans beaucoup de nos pays, nous observons que dans certains endroits, même quand les vaccins sont disponibles, les gens ne viennent pas se faire vacciner. Dans de nombreux contextes, les gens qui hésitent à se faire vacciner est la raison de une couverture vaccinale qui n'est pas importante. Mais si on en regarde de plus près, nous voyons qu'il y a d'autres facteurs qui jouent aussi, comme l'accès à vaccin, la disponibilité des doses et la qualité des services. Donc, il faut utiliser le service des soins primaires pour pouvoir atteindre ces gens et les faire se vacciner. Dans certains secteurs, les personnes les plus âgées ont du mal à se déplacer dans les centres de santé. Donc, il faudrait leur amener le vaccin. Les facteurs sociaux comme les convictions personnelles ou les convictions de ce que les amis, la famille ou la communauté jouent un grand rôle sur l'attitude par rapport au vaccin. Et il nous faut concevoir des réponses qui s'adressent spécifiquement à chacun de ces contextes, à la fois très ciblés et globales. L'OPS soutient des programmes qui réalisent ce diagnostic des barrières à la vaccination et qui essaye de mettre en place des stratégies pour augmenter le taux de couverture. Donc, une communication claire, arriver à dialoguer avec les communautés et les services de vaccination de qualité sont des moyens de relever ce bateau de vaccination. La communication publique efficace sur les bienfaits de la vaccination vont permettre d'augmenter la confiance. Il est très important que les informations vraies sur les vaccins soient disponibles, accessibles et reprises par des sources fiables dans les communautés. Le plus important, c'est que les vaccins sauvent des vies, comme le Dr Barbosin vient de dire. Il faut se faire vacciner et que vous convainquiez également vos proches de se faire vacciner. Obtenir plus de vaccins et immuniser les populations éligibles dans nos pays, avec le maintien des mesures de santé publique sont fondamentales pour combattre cette pandémie. Il nous faut lutter ensemble. Merci, Dr. Étienne. Les questions suivantes nous viennent de plusieurs journalistes. Citian Torres de Confidencial au Nicaragua, Gisela Salomon de AP, Andrea Espinosa de Expediente Publico. Elle dit parmi d'autres, le ministère de la Santé du Nicaragua a approuvé l'utilisation d'urgence des vaccins contre le COVID-19 fabriqués par Cuba. Abdallah, Soberana 2 et Soberana Plus pour vacciner les enfants âgés de 2 à 17 ans. Les questions sont, quelles sont les informations dont dispose l'OPS sur la sécurité de ces vaccins et s'ils font l'objet de tests d'efficacité? Sait-on également quand les résultats seront disponibles? Docteur Barbosa, merci pour ces questions. À nouveau, la décision pour l'autorisation d'un vaccin est une décision souveraine prise par l'autorité sanitaire ou de réglementation de chaque pays. L'OPS ne fournit pas d'autorisation au pays. Par conséquent, chaque pays doit autoriser lui-même l'IMAC d'Argentine, de Secmed de Cuba, les trois autorités de référence régionale. Chaque pays fait l'évaluation des documents présentés par les producteurs pour autoriser le vaccin. Pour l'OPS et pour les achats qui sont faits à travers le fonds renouvelable de l'OPS,
Nous n'utilisons aucune autorité nationale. Nous ne demandons pas aux autorités d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, d'Europe ou du Canada. Nous ne faisons appel qu'aux évaluations que l'équipe de préqualification de l'OMS fait. Par conséquent, pour nous, nous pouvons nous référer qu'aux vaccins qui ont déjà été évalués par l'équipe de l'OMS et qui ont déjà reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence pour le COVID-19. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous référer à des vaccins qui n'ont pas encore complété ce processus. On ne dit pas si elles sont bonnes ou mauvaises, ces vaccins, s'ils sont bons ou mauvais. Mais nous ne pouvons pas parler de ce que nous n'avons pas revu ou étudié avec attention. En deuxième lieu, dans cette question, où tu abordes le Nicaragua. Nous travaillons énormément avec le gouvernement du Nicaragua pour que le Nicaragua ait accès à plus de vaccins. Nicaragua va recevoir 223 000 doses de Pfizer la semaine prochaine et également 81 900 doses de Pfizer le mois prochain. Nous travaillons également avec les dons pour le Nicaragua qui ont été réalisés à travers COVAX dans le cadre du Nicaragua. Il y a un don de 600 et quelques mille doses d'AstraZeneca qui ont été dont le don vient de l'Espagne et nous travaillons pour que ceci se fasse rapidement. Nous, je pense qu'ainsi, tous les vaccins disponibles au Nicaragua seront mieux utilisés. Et à nouveau, c'est chaque pays qui prend la décision. De notre côté, nous avons, avec les vaccins autorisés par l'OMS pour les enfants et les adolescents, nous n'avons que Pfizer et Moderna. Les autres sont en train d'être révisés. Au sujet du vaccin Soberana, nous soutenons Cuba pour qu'ils participent au processus de préqualification de l'OMS. Nous avons déjà eu une réunion avec l'équipe de l'OMS, les producteurs des vaccins. Nous aurons d'autres réunions parce que notre intérêt, c'est que tous les vaccins puissent participer au processus de l'OMS pour recevoir l'autorisation d'utilisation d'urgence parce que ceci va élargir l'offre de vaccins que nous pouvons acheter à travers le fonds renouvelable. La décision de chaque pays est une décision nationale de son autorité de réglementation, mais nous encourageons les producteurs du monde entier à ce qu'ils s'y présentent parce que lorsque le processus sera terminé, achevé, ils pourront recevoir l'autorisation pour l'utilisation d'urgence. Une autre question au sujet du Nicaragua et de Uriel Velasquez de Despacho 505 et demande si vous disposez déjà d'un rapport du ministère de la Santé du Nicaragua sur la circulation des variantes préoccupantes dans les pays. Docteur Aldighieri, s'il vous plaît, merci pour cette question sur le Nicaragua. Jusqu'à ce moment, nous n'avons pas d'informations sur la détection de variants d'intérêt ou de préoccupation au Nicaragua. Nous savons que le Laboratoire national de la santé publique au Nicaragua est en train de réaliser des efforts importants pour pouvoir fournir les données nécessaires, non seulement pour la surveillance, mais également pour la communauté scientifique d'une manière générale. D'un autre côté, il est important de dire que grâce aux efforts réalisés par les pays d'Amérique centrale comme le Costa Rica, l'El Salvador, etc., Honduras et la collaboration très efficiente de l'Institut Gorgas au Panama. Il a été possible de démontrer la circulation des variants préoccupants de Alpha, Gamma et Delta en Amérique centrale. Nous soulignons l'importance
de maintenir et de renforcer une surveillance génomique qui soit durable et qui nous permette de détecter à temps l'introduction et la désignation des différents variants d'intérêt ou de préoccupation. Bien évidemment, l'Organisation panaméricaine de la santé continuera à travailler d'une manière très proche avec tous les pays qui pour poursuivre cet objectif. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et la question suivante, ce qui vient sur le chat de Rissela Salomon de Associated Press, nous demande si on pourrait donner plus de détails au sujet des vaccins que OPS a combiné avec Sinopharm, quand est-ce qu'ils seront fabriqués en 21-22 et combien seront fabriqués entre 20-22 des Sinovac, celles qui ont été annoncées par l'OPS la semaine dernière, ou est-ce qu'il y a d'autres vaccins? Et elle demande aussi s'il y a un pays qui a montré son intérêt pour acquérir ces trois vaccins. Docteur Barbosa, merci de cette question. Comme l'a dit notre directrice, dans ses remarques initiales, nous avons déjà trois accords. La directrice a annoncé un accord la semaine dernière avec Sinovac. Maintenant, nous avons conclu l'accord avec Sinopharm et avec AstraZeneca. Les vaccins seront disponibles d'AstraZeneca et de Sinovac. Nous avons environ 18 500 000 doses disponibles pour cette année 2021 et pour 2022, les quantités, nous sommes encore en train de les négocier et nous nous basons sur ce que les pays vont demander. Nous attirons l'attention des pays pour qu'ils nous envoient leurs demandes cette semaine parce que nous avons déjà une quantité disponible pour cette année, pour l'année prochaine, mais les quantités seront en rapport avec le nombre de doses que les pays demandent. Sur le fait de où est-ce que les fabriques sont installées, les usines, où est-ce qu'elles sont fabriquées, l'OMPS ne peut acheter les vaccins que s'il y a l'autorisation d'utilisation d'urgence de la part de l'OMS. Par conséquent, les vaccins seront fabriqués à AstraZeneca, qui a la fabrique, l'usine, qui a l'autorisation de l'OMS et ainsi de suite. Donc, pour le fonds renouvelable, les vaccins doivent être qualifiés. AstraZeneca peut proposer ces vaccins de n'importe quel site de production, mais les sites qui ont déjà l'autorisation d'utilisation d'urgence. Et nous espérons que les pays prennent ceci en considération parce que le plus de demandes et de vaccins que nous aurons sera le plus grand bénéfice pour les plus petits pays de la région qui pourront recevoir leurs vaccins avec des prix plus accessibles. Merci. Merci. La question suivante de Enrique Greitbit Alvarado de Newsday de Trinidad et Tobago nous dit que les autorités ont approuvé l'ouverture d'un plus grand nombre de zones commerciales et d'écoles, mais avec la présentation obligatoire de carnets de vaccination. L'OPS estime-t-elle que ce type de mesure obligatoire est correcte ou est plutôt une attaque contre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Docteur Ugarte. Merci, Sébastien. Et merci, Gravik. Je vais répondre à cette question en anglais. Si on prend en considération les considérations techniques et les niveaux de transmission, relaxing some measures for individuals in line with either of the following criteria. Avec ces critères, après avoir discuté et débattu avec l'OMS et l'OPS. Il faut d'avoir complété le schéma vaccinal avec un des vaccins autorisés d'urgence par l'OMS ou par les autorités régulatrices. Et après deux semaines, avoir terminé le schéma vaccinal. Donc, après test plus infectieux avec un test PCR. Et donc, on peut... libérer les gens de la quarantaine. Donc, il y a des choix pour des mesures individualisées pour
de personne à personne. Par exemple, on peut lever la quarantaine s'il n'y a pas eu de cas avec contact. On peut renoncer au test dans le cas de voyage international. On peut permettre des rassemblements en intérieur avec des gens qui sont totalement vaccinés, sans port de masque et sans distanciation sociale. Mais en fin de compte, la décision d'autorisation des rassemblements en intérieur ou dans les commerces, dans les zones publiques, fondées sur les certificats de vaccination. Et c'est en partant du principe que le pays ou l'institution accepte le risque de la transmission entre les personnes vaccinées et que les considérations éthiques ont été prises en compte de la part de gens qui ont été vaccinés depuis longtemps, ont été prises en compte quand même avant de mettre en œuvre des mesures plus individualisées. Les gouvernements et toutes les institutions de santé devraient d'abord réduire les barrières à la vaccination et considérer les mesures qui vont réduire les libertés de personnes non vaccinées. Et il faut que les personnes qui ne sont pas vaccinées soient fiables dans leurs tests contre les certificats d'immunité pour les gens qui ont été soignés de la COVID. Les mesures pour ces personnes vaccinées doivent être sûres, puisqu'il y a encore très peu de vaccins disponibles. Donc, c'est une question de proportion et l'inclusion sociale est inclue. Le but étant de réduire la dissémination et la participation des gens dans les milieux économiques et dans la vie sociale sans porter atteinte au niveau de protection de la population. Merci, dans son ensemble. Merci, docteur. Et maintenant, nous avons plusieurs questions du Pérou. Cris Ichese Cortado et del Comercio, Gerson Collave, Marcelo Blanco nous demandent quelle est la raison du retard jusqu'à. Pardon, ils demandent au Pérou quelles sont les doses, combien de doses ont été envoyées au Pérou et est-ce qu'ils vont les envoyer cette année ou l'année prochaine? Elle nous dit qu'au Pérou, 42% de l'objectif, que la population objectif a déjà répondu à 2 doses. Et il dit dans ce contexte, il dit au Pérou, la dose de rappel pour le personnel de santé a été approuvée. Et il demande s'il s'agit d'une bonne démarche et quelle est la recommandation de l'OPS concernant cette combinaison et ce rappel. Est-elle sûre? Docteur Jarbas, malheureusement, le retard de COVAX n'est pas seulement pour le Pérou, pour tous les pays. Et il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, des problèmes liés aux producteurs qui ne sont pas en train de prioriser la livraison à travers le mécanisme COVLA qui continue à prioriser les accords bilatéraux. En deuxième lieu, nous avons eu le mécanisme COVAX a subi un problème important parce qu'un des grands producteurs pour le mécanisme en 2021 a été celui qui a été Serum Institute d'Inde ne pouvait pas exporter. Donc, il y a des millions de doses qui sont en suspens. C'est pour cela que la plupart des pays, le Pérou y compris, n'ont reçu que 30% des vaccins qu'ils avaient demandés à travers le mécanisme. Le Pérou a reçu environ 2 millions et quelques de doses à travers COVAX. Il y a de nouveaux doses de vaccins qui vont arriver au pays les prochaines semaines à travers le mécanisme COVAX. Il est par conséquent important. L'OPS a toujours dit qu'il fallait l'utiliser comme priorité, la couverture la plus basse de certains pays pour rendre prioritaires les livraisons
et le Pérou répond à ces critères, nous allons répondre, ne répond pas à ce critère, et nous allons prioriser par conséquent les pays qui ont moins de 10% de couverture. Et le mécanisme COVAX a dit qu'il ne réussira pas à remettre, à livrer les 20% de la population jusqu'à la fin de l'année. Ça va être proche de ces dates. On espère qu'au mois de novembre ou décembre, qu'il y ait beaucoup plus de vaccins qui soient disponibles, mais ceci prendra au moins jusqu'au début de 2022 pour conclure les demandes et les contrats que les pays ont signés. C'est pour cela que l'OPS travaille, outre d'accélérer l'accès à travers DocCovax pour avoir plus de dons. Les dons ont été essentiels au mois d'août et de septembre pour que les pays puissent recevoir davantage de vaccins. Et nous sommes en train de donner cette possibilité de faire les achats de vaccins à travers le fonds renouvelable directement. C'est-à-dire que tous les pays de la région peuvent envoyer leurs demandes à travers le fonds renouvelable de notre organisation. Merci, docteur. Excusez-moi, j'ai oublié de répondre sur la troisième dose. Au sujet de la troisième dose, il n'y a pas de recommandation du groupe d'experts de l'OMS. SARJ, à cause de son acronyme en anglais, le groupe stratégique d'experts en vaccination, ils sont en train de revoir toutes les données. Et ceci prend un certain temps parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est différent pour chaque vaccin. Il y a des vaccins qui peuvent avoir une réduction de la protection tout au fil de 6 mois, 1 an. D'autres, ça va être plus de temps. Nous ne pouvons pas faire une recommandation générale. Nous savons que les travailleurs, le personnel soignant est un groupe prioritaire, ainsi que les personnes âgées. Et chaque pays fait ses recommandations se basant sur les vaccins qu'ils ont utilisés, sur les données qu'ils ont et sur la disponibilité des vaccins qu'ils ont. Nous ne pouvons pas affirmer des recommandations générales en disant, parce que malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas encore vacciné leurs personnes, les groupes prioritaires. Donc, chaque pays doit revoir ses stratégies et adapter celle qu'il considère être la meilleure stratégie à être appliquée. Merci, docteur. La prochaine question, question est en anglais. Observer qui demande en anglais, quels sont les conseils de choses à faire et de ne pas faire pour les pays qui veulent atteindre l'immunité collective dans les mesures de santé sociale et les protocoles sociaux sont... en cette matière. Merci pour cette question du journal Antigua Observer. Le concept de l'immunité collective peut prêter à confusion. Il s'agit d'un concept théorique, mais qui quand même provoque des réserves. Par exemple, pour cela nécessite l'existence d'une population très grande, qui serait aussi très mixte, et ça, c'est très rarement le cas. L'immunité collective ne comporte pas de seuil fixe. C'est très peu probable, mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, par exemple, parmi lesquels, par exemple, combien de gens, quelle est l'interaction, le taux d'interaction et comment l'immunité progresse au sein de la population d'un pays déterminé. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas prendre de décisions de politique sanitaire publique en fonction du fait qu'on estime qu'on a atteint cette immunité collective ou pas. Pendant plusieurs mois, l'OPS a défendu l'ajustement, une combinaison de mesures de santé publique et de mesures sociales en fonction de la situation épidémiologique de chaque pays. Cela reste toujours notre politique de la part de l'OPS. Même si la communauté, la transmission par communauté a été annulée ou réduite, il peut y avoir des épidémies, des flambées, par exemple dans des environnements confinés ou en cas de super dissémination.
Donc, nous attendons effectivement que, quand avec l'augmentation de la couverture vaccinale et devienne plus uniforme à travers toutes les tranches d'âge, la vaccination finira graduellement à cette immunité collective et réduira la transmission d'une manière générale. Cependant, la mesure dans laquelle la vaccination va contribuer à cette immunité collective reste une question ouverte, parce que nous sommes encore soucieux de la force des gens qui hésitent à se faire vacciner, surtout dans les Caraïbes, par exemple. Donc, dans ce contexte, les gens qui sont éligibles à la vaccination et auxquels on propose un vaccin devraient en profiter pour se faire vacciner, comme c'est une manière de se protéger personnellement de formes sévères de la maladie, de protéger leurs proches dans leur famille et leur communauté. J'espère avoir répondu aux questions de journalistes de l'Antigua Observer. Beaucoup, docteur, et nous arrivons au final de la séance d'aujourd'hui. La question suivante est de Laura Barros de l'agence EFE. Elle dit que la région des Amériques est confrontée au défi des migrations massives et elle demande quelles recommandations l'OPS donne-t-elle au pays de la région pour prendre en charge ces personnes en déplacement au milieu de la pandémie. Docteur Etienne, s'il vous plaît. Merci pour cette question. Comme toujours, dans notre région, nous avons observé des migrations de masse dans le triangle nord, mais également en provenance du Venezuela. Ces migrations de masse ont créé les besoins en santé, autant pour la population migrante que les communautés qui les hébergent. Et certains de ces besoins peuvent comprendre des soins maternels et néonataux, des soins d'urgence, la prévention, le contrôle de maladies transmissibles, la vaccination contre la COVID-19 et autres services. Dans plusieurs zones frontières et dans les points d'entrée de certains pays, les pays doivent se préparer leurs services de santé pour qu'il y ait suffisamment de personnel, d'équipement, de fournitures médicales, surtout pour les soins aux femmes et aux enfants et les urgences liées à des blessures qui pourraient arriver pendant le voyage, les événements et des occurrences aiguës, et pour recommander, diriger des patients dans des centres de santé plus équipés s'il faut. L'OPS, avec la coopération des États et de l'Union européenne, a facilité les consultations, les urgences, des services de santé mentale et autres. Nous avons travaillé pour soutenir les autorités sanitaires nationales au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Pérou. Nous avons renforcé rien que 112 établissements de soins primaires et 84 hôpitaux en fournissant de l'équipement, des médicaments et des fournitures médicales. Et nous avons également soutenu 18 laboratoires de santé publique et 25 centres d'opération d'urgence. Donc, 16 000 travailleurs de la santé et plus de agents communautaires et plus de 20 000 agents communautaires ont été formés dans des ateliers en face à face et lors de cours virtuels. L'OPS facilite la coordination de la réponse sanitaire internationale dans les pays de notre région et nous dirigeons le groupe sanitaire de la plateforme régionale interagence pour les réfugiés et les migrants du Venezuela. Nous participons également activement au processus de Quito qui promeut l'incorporation des soins aux migrants aux politiques et des plans des pays pour garantir que les services de santé sont assurés autant aux communautés qui reçoivent les migrants que les migrants eux-mêmes. L'engagement des pays vis-à-vis d'un service de santé universelle et d'une couverture de santé universelle nécessite que nous prenions en compte les besoins sanitaires des migrants. Et merci aux États membres de notre région qui ont réalisé des efforts pour garantir que les besoins sanitaires des migrants sont assurés. C'est notre responsabilité en tant que communauté générale au sein de notre région. Donc, je vous remercie une fois de plus de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette conférence de presse. Et laissez-moi vous rappeler, faites-vous vacciner, s'il vous plaît.
et le plus vite possible. Et s'il vous plaît, continue à respecter les mesures barrières. Nous sommes capables de remporter la bataille contre cette pandémie, mais seulement à la condition de suivre les mesures sanitaires conseillées qui sont à notre disposition. Et seulement si nous faisons tout cela ensemble. Merci encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous arrivons au bout de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver plus d'informations sur le COVID-19 et le travail que développe l'OPS sur notre page web, PAHO. Ainsi, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.